Et voilà, donc la graffeuse Pressiva, bête énorme. Ça fait vraiment son poids en fait. Hein. C'est tout en métal. Hein. C'est vraiment un bel appareil. Très bien fini. Apparemment allemand, bien entendu. Hein. On voit sur les paquets d'agrafes en fait. Hein. Voilà. C'est de l'allemand. Et voilà, la belle machine. Franchement, de la belle machine. Vous constatez hein, directement à l'œil, ça fait vraiment son poids et c'est puissant. C'est très très puissant, donc faites attention hein, quand vous envoyez des agrafes avec ça. Ça envoie du lourd. Hein. Donc ça peut vraiment transpercer du bois, du placo, en mode vraiment facile. Vous voyez, un peu comme dans du beurre, quoi. Donc les agrafes se mettent par en dessous. Au niveau des agrafes, on a du clou de tapissier. Donc vous voyez sur la droite et des agrafes en U. Hop, je vais les attraper, je vois pas trop bien avec la caméra. Voilà. Hein, les agrafes en U, comme ceci. Et les petits clous de tapissier, comme ceci. Voilà. Donc on a les deux dans chacune des boîtes, en fait. Hein, elles sont hyper bien fournies. Hein, vous voyez, on a quand même beaucoup d'agrafes. Hein, on voit les clous de tapissier en bas. Voilà, c'est vraiment des grosses boîtes. On a ici le soulève agrafe parce que ça agrafe tellement fort que ben, il faut pouvoir faire levier avec quelque chose. Et voilà, donc le soulève agrafe qui est bien bien pratique pour ça, donc pour les agrafes en U. Voilà, donc très belle boîte, très beau set qui est livré donc dans une boîte avec moulage. Pour la graffeuse, voilà. On peut tout ranger correctement dedans, voilà, et c'est absolument nickel. Voilà, quelque chose à avoir dans son set d'outils hein, globalement, parce que on a toujours besoin de ce genre de choses-là à un moment ou à un autre.